Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. D'ailleurs, au nom de toute l'équipe, j'en profite pour vous dire un grand, grand, grand merci pour votre fidélité. Alors voilà, l'été est terminé. J'espère qu'il a été bon de votre côté. Et en tous les... Attends, oui, on me dit dans l'oreillette. Oui, parce que vous savez, on avait investi dans un micro-cravate, mais on a investi dans une oreillette aussi. Oui, donc on me dit en effet voilà, que peut-être certains d'entre vous n'ont pas pu profiter du programme des estivales de l'été 2018. Eh bien... ce n'est pas grave, session de rattrapage l'été prochain, on a déjà plein d'idées pour vous en 2019. Mais revenons à aujourd'hui, c'est septembre, c'est la rentrée, mais c'est aussi bientôt les journées européennes du patrimoine. Alors là, avec l'équipe, on s'est dit, on va faire des journées européennes du patrimoine un peu décalées. On va faire des journées européennes du patrimoine. Rock and roll ! Eh oui, pendant ces deux jours, médiateurs et comédiens répondront à des questions du genre « Les Gaulois jouaient-ils du Carnix électrique ? Est-ce que la cavalerie germaine écoutait du Rammstein ? Ou est-ce que, au-delà du cuir de leur caligae, les Romains portaient le perfecto ?» Eh oui, vous le voyez, des questions un petit peu décalées, mais pour vous donner des vraies réponses historiques sur le spectacle, le métal, la boisson ou encore le travail du cuir sous l'Antiquité. Et le clos du spectacle, c'est le samedi à 18h. Concert des Agamemnons. Les Agamemnons, c'est un groupe qui joue du rock surf. Vous avez déjà vu la BO de Pulp Fiction ? Ou plutôt, vous l'avez déjà entendu ? Eh bien, c'est ça le rock surf. Et ça déchire. Et en plus, ils jouent en tunique. Donc, autant vous dire que c'est raccord avec le décor du Théâtre des Vestiges. Voilà, le rock n'est pas mort. C'est au Musée au Parc Alésa que ça se passe. On vous attend. Et on peut dire tous ensemble... oui, le rock'n'roll !